Bob's outside the door. Have fun. Bonjour. Putain, c'est pas vrai. Manquait plus que lui. Hein. Oui, moi aussi, je suis content de vous voir. Manifestement, vous savez qui je suis. Vous me donnez ce que je demande. Attendez. J'ai déjà craché ce que je savais. On dit que c'était bon pour moi, la maison au Canada, la liberté de survie et tout le bordel. Ah oui, mais non. Ben non, 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 on a un souci. L'ignation s'est envolée. Et c'est ma faute à moi? Non, c'est pas de votre faute, mais maintenant, c'est votre problème. Alors, vous me trouvez autre chose, ou alors vous finissez dans une prison pleine de Portoricains. Au choix. Hein. Putain, j'aurais jamais dû être dans ce bateau. Moi, c'est mes employés qui font les voyages, pas moi. Oui. Avec le bouquin que vous avez foutu à Marseille, plus personne ne voulait y aller. Hein. Vous savez pas comment je regrette. Hein. Eh oui. Les photos, concentrez-vous sur les photos. Lui, là, il vous dit quelque chose? Oui, je connais pas lui. Mais lui, c'est Marco da Costa, à côté. Lui? Ouais. Da Costa. Dites-moi plus sur lui. Ça fait un bail qu'il traîne dans le milieu. Vous avez plein de tentures, ce mec. Vous savez s'il a un lien avec Mination? Oui, non? Je me rappelle qu'une fois, ils sont passés ensemble à l'usine, mais c'était il y a longtemps. Vous croyez que Da Costa travaille pour Zampa? Mais j'en sais rien, moi. Sûrement. Après, bon, le grand patron, je le connais pas directement. Bon. Autre chose? Que s'est passé? Vous voulez pas que je vous dise qui a tué Kennedy aussi? Pourquoi vous le savez? Je vous préviens, au Canada, il fait plus froid qu'à Marseille. Ouais, je suis au courant. Ouais, je vous le dis.